Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast signé Cryptosphère. Aujourd'hui, on reçoit Julie Klein et Akar Serhat pour nous parler de économie circulaire et de transition écologique dans la blockchain. Donc, bonjour à vous. Bonjour. Je vais commencer par vous laisser vous présenter et après on enchaînera avec quelques questions pour le podcast. Avec plaisir. Merci Alex de nous avoir invités sur ce podcast. Donc pour ma part, je m'appelle donc Julie Klein et je suis en charge des solutions digitales de traçabilité pour Suez, notamment bien sûr celles en lien avec la transition environnementale puisque c'est notre cœur de métier chez Suez, et une gamme de solutions que nous avons nommée Circular Chain, sécurisée par la blockchain. Super, ok. Serhat, du coup. Merci Alex, bonjour à tous. Donc moi je suis étudiant, stagiaire en fin d'études chez Suez dans l'équipe de Julie. J'ai un background informatique, donc je suis à l'école CESI et très axé blockchain aussi, donc je suis assez enthousiaste sur la blockchain. Et j'ai rejoint l'équipe de Julie pour aider un peu sur tous les sujets blockchain, traçabilité. Donc c'est un plaisir aussi pour moi d'être là aujourd'hui. Super, bah enchanté. Du coup, une petite question sur une entreprise comme Suez, qui est très grande. Comment, quel contexte a fait que cette entreprise s'intéresse à ces questions blockchain? Comment ça arrive, quoi? Suez œuvre pour la transition environnementale dans divers secteurs, traditionnellement l'eau, l'assainissement et les déchets. Et donc, dans ces métiers traditionnels, on a de plus en plus besoin de digitalisation, qui est un formidable levier pour la transition écologique. Donc, Suez progressivement digitalise ses métiers, en lien bien sûr avec les besoins de nos clients et de nos partenaires. Donc, on digitalise nos métiers. Et la blockchain arrive comme une des solutions parmi d'autres, mais une des solutions parmi d'autres pour sécuriser des chaînes de valeur. C'est comme ça qu'on l'utilise aujourd'hui, notamment dans l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, peut-être si certains ne sont pas complètement à l'aise avec ce concept, l'économie circulaire, c'est un des moyens d'arriver à la transition environnementale. Et l'économie circulaire, c'est le fait de réutiliser, alors déjà de réduire bien sûr nos déchets, nos matières, les réutiliser un maximum dans des boucles les plus courtes possibles au lieu de les jeter, au lieu de les détruire. Voilà, c'est pour faire très simple. Donc l'économie circulaire veut dire réutilisation de matière, donc première vie, deuxième vie, troisième vie, quatrième vie, etc. Et donc forcément, dans ce cadre-là, on peut avoir besoin de traçabilité renforcée. Et c'est pour ça qu'on a mis en place des solutions de traçabilité qui sont sécurisées par la blockchain. D'accord, donc la traçabilité pour suivre les chaînes de valeur, si c'est bien ça. Donc ok, c'est super intéressant. Du coup, c'est aussi une question qu'on a une question d'enjeu pour les blockchains d'entreprise. Du coup, c'est bien une blockchain que vous utilisez en entreprise. Quel enjeu vous avez pour les mettre en place et à quoi vous êtes confronté en fait chez vous? Oui. Alors, en fait, bon, déjà, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que aujourd'hui, pour booster l'économie circulaire, on a besoin de trois choses. On a besoin de traçabilité, bien sûr, de confiance et de transparence. La transparence, on l'amène par la digitalisation, le fait de restituer de la donnée, etc. Et la confiance, elle vient par la blockchain. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'utilise aujourd'hui, puisque c'est vraiment cette sécurisation. Nous, on dit notarisation à nos clients. Alors, notarisation, ce n'est pas dans le dictionnaire, mais on trouve que c'est une belle image. C'est comme si on déposait la donnée chez le notaire ou dans un coffre-fort numérique. Certains disent ancrage dans la blockchain. Enfin, tout ça veut dire la même chose. Donc, vraiment sécuriser la donnée pour éviter la fraude, pour éviter qu'elle puisse être modifiée à l'insu du reste de la chaîne de valeur. Donc, on apporte de la traçabilité, de la confiance, de la transparence. Et du coup, pourquoi est-ce que de plus en plus d'entreprises aujourd'hui, et pas que Suez, beaucoup d'entreprises dans le monde industriel utilisent la blockchain? Eh bien, c'est pour les mêmes caractéristiques que celles que je viens de citer, c'est-à-dire vraiment cette sécurisation, cet ancrage de la donnée dans un écosystème et du coup, le fait de ne pas pouvoir la modifier ultérieurement. Donc, il y a plein d'exemples aujourd'hui qui existent. Alors, dans l'économie circulaire, a priori, on est quasiment dans les grands groupes, quasiment les seuls. Il y a beaucoup d'initiatives dans tout ce qui est recyclage du plastique, mais c'est souvent plutôt le fait d'ONG ou d'associations. En tout cas, dans les grands groupes, dans l'écosystème dans lequel nous, on gravite, on est aujourd'hui les seuls. Et puis après, il y a plein d'autres entreprises dans plein de secteurs d'activité qui utilisent la blockchain. Ça peut être dans le luxe, ça peut être dans l'automobile, ça peut être dans l'agroalimentaire, bien sûr. Il y a d'énormes enjeux dans l'agroalimentaire, dans le transport maritime. Enfin, il y a plein de consortiums qui se sont montés par rapport à ça. C'est vrai que moi, de mon côté, je connais beaucoup plus le suivi dans le luxe ou dans l'agroalimentaire, surtout avec le vin.
Et du coup, dans l'énergie, comment ça se matérialise en fait cette traçabilité? Enfin, comment ça se suit? Alors, dans l'énergie, si tu veux, Serra, je te propose de prendre la question. Oui, vu qu'on parle du secteur énergétique, je pense que vous avez entendu parler du domaine de l'énergie Internet. C'est un domaine d'avenir qui est déjà étudié par de très grosses entreprises. Et c'est un très bon exemple pour montrer la transition écologique et l'intérêt de la blockchain là-dedans. L'énergie Internet, en fait, va se servir de la blockchain pour établir un système peer-to-peer. Donc, l'énergie, en fait, va être quantifiée et va être tradée par tous les acteurs. Et le particulier qui, lui, pourra produire de l'énergie, en fait, il pourra utiliser la blockchain. Et ça va permettre deux choses, notamment une sobriété énergétique grâce à l'IoT et la blockchain où, en fait, on consommera pile l'énergie qu'il nous faut comparé à aujourd'hui. Et puis, ça permettra aussi une traçabilité accrue des sources d'énergie verte, qui est un problème qu'on rencontre aujourd'hui. Donc, l'énergie Internet, c'est un exemple typique de la blockchain qui répond un peu à ces enjeux. D'accord, donc un suivi un peu juste à temps de la consommation énergétique. Ok, top. Peut-être pour revenir sur donc du coup vraiment l'économie circulaire. Comme tu l'avais dit, Julie, il y a un énorme focus de la part de Suez sur l'économie circulaire. Comment ça se traduit donc pratiquement? Alors, pratiquement, je dirais qu'en fait, nos solutions de traçabilité, elles répondent au moins à cinq enjeux. C'est ce qu'on identifie aujourd'hui avec nos clients. Mais tu as des enjeux de temps en temps d'image et de notoriété. Donc là, c'est vraiment la transparence. Je veux être transparent avec ma chaîne de valeur ou avec mon écosystème, avec mes partenaires. Donc, je suis vraiment dans cet enjeu-là, image, notoriété. Des fois, il y a des enjeux vraiment financiers. Donc là, on est sur des flux qui ont des très fortes valeurs ajoutées. Très forte valeur ajoutée financière. Donc, par exemple, les métaux, typiquement, hein, aujourd'hui, le prix du métal, certains métaux est très élevé. Donc, l'objectif, c'est de sécuriser la donnée pour limiter les pertes, etc. Donc, deuxième raison, c'est financier. Troisième raison, c'est bien sûr réglementaire. Hein, la traçabilité dans nos métiers de l'environnement est, dans certains cas, une obligation réglementaire. Alors, pas forcément aussi poussé que ce que nous on propose, mais il y a déjà des choses qui sont obligatoires au niveau réglementaire. Donc là, ça peut être des mises en conformité ou ça peut être pour aller un peu plus loin que la réglementation. La quatrième raison, ça peut être un risque pénal. Aujourd'hui, les dirigeants de nos sociétés sont engagés pénalement, notamment sur certains types de déchets qu'on appelle des déchets dangereux. Et donc, ils veulent pouvoir prouver si dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, il y a un claim, ils veulent pouvoir prouver qu'à l'époque, ils avaient mis en œuvre les meilleures technologies disponibles pour limiter tous les dysfonctionnements. Donc ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on fait appel à nous. Et puis, le dernier enjeu auquel on peut répondre, c'est la propriété industrielle et intellectuelle. En fait, dans les déchets des industries, dans les déchets, par exemple, des centres de recherche, il y a de la connaissance et de la propriété intellectuelle. Et donc, si un concurrent venait à se saisir de ces déchets, bien sûr, il pourrait remonter une partie du secret de fabrication. Donc la blockchain va permettre, au-delà d'un traitement adapté, hein, bien sûr, ou d'une valorisation adaptée du déchet, va permettre de sécuriser la donnée qui est associée à ce traitement. Ok, Voilà top. pour les enjeux. Voilà un peu ce que je peux te dire sur les enjeux. Ça marche. Et sur du coup la mise en pratique, est-ce qu'il y a des choses pratiques qui sont mises par Suez, des projets concrets qui sont en production? Si oui, donc lesquels Oui, alors complètement. Hein. Aujourd'hui, on est fiers de pouvoir présenter nos sujets et nos projets. Donc, on a lancé il y a plus de 2 ans maintenant, donc le 1er janvier 2020, tu vois, ça fait 2 ans et demi, le premier cas d'usage de traçabilité sécurisée par la blockchain, par Circular Chain, sur la traçabilité des boues d'épuration. Alors, ça ne parle pas forcément au grand public. Les boues d'épuration, c'est quoi? C'est quand on fait un assainissement de l'eau, donc toutes les eaux que vous envoyez dans vos égouts, hein, tout simplement, partent à la station d'épuration. À la station d'épuration, il se passe deux choses. D'une part, on produit de l'eau propre, donc on nettoie l'eau sale qui arrive. Et deuxièmement, on produit des coproduits ou des déchets, ça dépend. Et dans les coproduits, il y a ces fameuses boues d'épuration qui sont essentiellement constituées de matière organique et de matière minérale. On va faire assez simple. Et donc, ces boues d'épuration en France, elles représentent environ 10 millions de tonnes, donc c'est quand même assez conséquent. Et elles sont épandues dans des champs, ça veut dire qu'elles sont valorisées en agriculture. C'est un amendement agricole, donc elles retournent en agriculture à hauteur de 70% du volume total. Donc il y a 7 millions de tonnes de boue en France qui sont épandues dans des champs.
Et donc, qui dit épandage dans des champs agricoles, dit filière agroalimentaire, dit alimentaire, dit conditions et sécurité sanitaire plus à respecter. Donc, c'est le premier cas d'usage qu'on a lancé. Qu'est-ce qu'on fait en fait sur ce cas d'usage? On va tracer la totalité de la chaîne de valeur entre la production de la boue et sa valorisation finale. Donc, on trace toutes les étapes. On en fait des chaînes de traçabilité et on sécurise la donnée dans la blockchain. Donc, il y a plein d'acteurs qui gravitent. Il y a des laboratoires d'analyse externes, bien sûr. Il va y avoir des transporteurs externes. Il va y avoir bon, les producteurs de boue, les agriculteurs in fine, toutes les entreprises qui travaillent dans les centres de compostage, etc. Donc, voilà, c'est un écosystème assez varié. Et l'idée, là, c'est traçabilité, de la confiance, bien sûr, parce qu'on restitue la donnée et puis de la transparence également. Donc, ça, c'est le premier cas d'usage. Et on a d'autres cas d'usage qui sont en cours de développement, donc soit avec des clients internes type déchets ménagers ou déchets industriels, où on fait la même chose, hein, traçabilité, confiance, transparence, ou alors avec des clients externes, de la même manière, on propose le même type de service. Alors à chaque fois, c'est des chaînes de valorisation de matières qui sont différentes. Parfois, c'est des déchets industriels, des déchets ménagers, des déchets organiques, enfin, voilà, c'est assez varié de ce point de vue-là. D'accord. Du coup, il y a pas mal de partenaires avec qui vous travaillez pour mettre en place ces cas d'usage. Comment ces partenaires se sont saisis de cette technologie et comment ça s'est passé, du coup, les discussions? Oui, alors c'est un point important parce que ce n'est pas facile pour tout le monde d'appréhender la blockchain aujourd'hui, très clairement, il faut le dire. Donc il y a un vrai effort de sensibilisation, de formation aussi à réaliser. Sinon, ça reste une boîte noire et ça reste très obscur. Donc il y a cet effort-là qui est mené auprès des clients et auprès des partenaires. Et puis il y a aussi, dans certains cas, un effort de digitalisation parce que souvent on arrive sur des métiers qui ne sont pas très digitaux. Donc on est obligé de commencer par ça. Et donc, en fait, on fait un peu les deux en même temps. Donc, on digitalise le métier. Donc, on met à disposition des outils digitaux, hein, typiquement des applis smartphones ou des choses comme ça. Déjà, il y a cette première étape à passer où on accompagne nos partenaires, le métier, on les forme, on leur fait des guides de formation, etc. Et puis après, on leur explique les enjeux de la blockchain, les valeurs ajoutées de la blockchain dans leur cas d'usage, etc. Donc, c'est un vrai travail humain, en fait, de faire monter en compétence nos partenaires et nos clients sur ces sujets. D'accord, donc il y a un vrai travail d'explication et de mise en place de technologies qui sont accessibles à tous, finalement. Je vous parlais d'applications smartphone et tout, donc c'est super intéressant. Une question peut-être plus sur, du coup, peut-être le premier cas d'usage. Plus pratiquement, sur comment ça s'est passé au niveau de la blockchain, quelle technologie vous avez utilisée, comment ça s'est mis en place? Oui, et ben, si tu veux, Sarah, je te laisse prendre la main sur ce sujet. Oui, bien sûr. Alors au niveau de la technologie qu'on utilise aujourd'hui, c'est avec Crystal Chain qui est un partenaire externe. Et la technologie utilisée, c'est un layer 2 blockchain, donc c'est XDAI. Et c'est assez intéressant parce que du coup, il y a toutes ces notions de sobriété digitale. On se pose la question déjà, nous, en tant qu'utilisateurs finaux, sur quelles données est-ce qu'on met dans la blockchain. Donc il y a tout ce processus en amont. Et puis la technologie en elle-même aujourd'hui. Il y a XDAI, mais il y en a beaucoup sur un peu tous les consensus qui ont pris cette pensée de vraiment limiter ce qu'on met dans la blockchain, et ça résout en partie la question de l'impact environnemental des différentes blockchains. D'accord. Donc ouais, XDAI, c'est un layer 2 assez connu. Qu'est-ce qui a fait que du coup vous êtes porté sur ce choix de layer 2 et pas un autre? Alors ça, c'est un choix qui est fait du côté du partenaire. Julie, si tu as plus d'informations là-dessus, je te laisse répondre, mais ils ont dû faire toute une étude, je pense, pour faire ce choix-là. D'accord, ok. Nous, on choisit nos partenaires en fonction de ce qu'ils peuvent proposer comme type de blockchain. Et celle-là nous convient. Donc, voilà, on est plus dans les critères, hein, sur lesquels on est très regardant, c'est bien sûr l'impact environnemental des technologies digitales. Et ça, c'est vraiment un point important. On peut en parler pendant des heures, mais le cœur De de toute façon, métier on en de ce parlera, on a un sujet sur ça juste après, de toute façon, sur l'impact environnemental des blockchains. Donc, Exactement. Donc voilà, ça fait partie des critères quand on choisit nos prestataires de ce qu'ils peuvent nous proposer, des critères de choix. Voilà. D'accord, ok. Et donc, oui, donc du coup, peut-être aussi sur Crystal Chain, c'est comment s'organise le consensus pour parler vraiment rapidement de technologie. Est-ce qu'on est sur du proof of work, proof of authority? Vas-y, Sarah, si tu Alors, veux. ouais. Oui,
Alors, CrystalChem, en fait, en interne, ce sont des nœuds privés qu'ils détiennent, puis c'est eux qui vont traiter les données. Et la donnée, en fait, in fine, c'est un layer 2 qui est mis sur la blockchain publique, donc Ethereum. Donc, le consensus qui est utilisé, c'est du proof of authority en interne. Et puis après, c'est géré, c'est mis sur la blockchain publique, donc avec une philosophie vraiment off-chain. Ok, d'accord. Super intéressant. Du coup, une autre thématique, et on en a parlé justement il y a quelques instants, c'est la place de la blockchain dans la préservation de l'environnement. Je ne sais pas si vous avez quelques mots à dire dans un premier temps sur ça. Oui. Moi, je peux faire juste une petite intro et après je laisse Serhat pour détailler plein de choses. Ça marche. L'intro, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que le digital doit être un levier pour la transition environnementale, la transition des territoires, etc. Et donc, du coup, quand on crée des solutions digitales, on a toujours ça en toile de fond. Donc, on a une démarche IT for Green, bien sûr, le digital au service de la transition, mais on a aussi une démarche Green IT, c'est-à-dire comment on réduit au minimum l'impact du digital sur l'environnement. Sinon, évidemment, si on essaie de servir l'environnement, mais avec des solutions qui sont hyper destructrices, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est la philosophie dans laquelle on se place. Donc on se forme tous à ces sujets. On est en train de monter plein de choses par rapport à ça. On pousse aussi nos fournisseurs à s'améliorer là-dessus parce que ce n'est pas évident pour tout le monde. Et donc on essaye d'être un moteur dans l'écosystème digital dans lequel on est. On essaye d'être un moteur par rapport à ces éléments. Et pour la D'accord. suite, Sarah, je te laisse présenter si tu veux des éléments. Oui, pas de souci. Alors, on parle d'impact énergétique, on parle d'environnement. Je pense qu'on a tous entendu parler, l'impact énergétique de la blockchain, c'est un sujet qui est d'actualité. On en entend vraiment parler avec des études qui commencent à être assez intéressantes. Et les chiffres, en fait, convergent. Si on regarde un peu les études pour l'année dernière, en 2021, pour le proof of work, qui est plus précisément le Bitcoin, en fait, pour donner un chiffre, on est à peu près à 150 TWh. Alors, pour nous donner une petite idée de ce que ça représente, ça équivaut à la consommation électrique d'un pays comme l'Argentine. Donc, c'est pas rien. Et donc, nous, on pense qu'à l'heure actuelle, un usage systématique de ce type de blockchain, qui est très énergivore, n'est ni souhaitable, pardon, ni durable. Mais il ne s'agit pas pour autant, en fait, de dénigrer vraiment cette technologie. Le proof of work, on sait que c'est la première grande blockchain qui a démocratisé aux yeux du grand public la blockchain grâce au Bitcoin en 2009. Ça a l'avantage aujourd'hui d'être l'un des consensus les plus sécurisés. Mais comme pour toutes les innovations, en fait, on pense que forcément, elles sont souvent imparfaites au début. Mais aujourd'hui, il y a des innovations qui vont permettre d'évoluer et de s'adapter surtout aux enjeux sociétaux de notre temps. En parlant des projets justement d'envergure qui visent à limiter un peu l'impact du proof of work, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup même. Il y a des fermes de minage vert par exemple qui se mettent en place notamment dans des pays en voie de développement. Il y a des projets de récupération de la chaleur pour le proof of work également, qui sont assez intéressants. Des projets de réduction un peu de la déperdition d'énergie, par exemple dans des environnements comme en Afrique où les firmes viennent s'installer sur des sources de création d'énergie. S'il n'y avait pas ces fermes, l'énergie serait perdue, à l'heure actuelle en tout cas. Donc ce sont des projets qui existent, on regarde ça de près, mais par contre, on doit un peu relativiser aussi, parce que ces solutions, tout ce qu'on vient de dire, sont souvent limitées par des facteurs qui sont en fait écologiques, économiques, mais aussi sociétaux. Par exemple, pour les projets de fermes de minage verte, est-ce qu'aujourd'hui on sait faire assez d'électricité verte pour les usages de la planète avant celui de la blockchain. Donc ça, c'est une question qu'il faut se poser. Dans le contexte en fait de l'économie circulaire, par contre, où l'on travaille du coup à l'échelle d'entreprise, il y a plusieurs points et plusieurs avancées qui sont très intéressants. Je pense notamment aux différents consensus qui sont en train de voir le jour. Le plus connu, c'est forcément le proof of stake. Ethereum a prévu de passer dessus. Il y a également le proof of authority, proof of réputation, alors qui eux sont basés plutôt sur des cas d'entreprise où l'identité des acteurs doit être connue. Mais l'avantage de ces consensus, c'est que niveau énergie, on consomme beaucoup, beaucoup moins que le proof of work. On est à vraiment 99% moins de consommation énergétique. Donc ça, forcément, c'est un atout qu'il faut prendre en compte. Il y a des nouveaux types d'architectures qui se mettent en place. On a des consortiums où des acteurs avec des intérêts divergents peuvent participer. Et donc, avec ces consensus, en fait, on atteint une fiabilité
et une sobriété un peu énergétique qui est assez élevée. Donc cette partie consensus, on prend en compte. Et il y a d'autres choses aussi, deux, trois autres aspects importants. On a parlé de la sobriété digitale à deux niveaux, donc au niveau de la technologie. Aujourd'hui, on a des layers 2, layers 3 sur à peu près tous les consensus qui existent. Donc ça, c'est formidable. Et puis aussi dans la mentalité des acteurs, vraiment de faire attention à ce que l'on met dans nos outils digitaux. Et un autre point important, c'est tous les projets en fait que la blockchain a pris sous son aile et agit en fait directement pour l'environnement. On a parlé de l'économie circulaire, on a parlé du domaine de l'énergie. Et puis il y a un domaine aussi qu'on voit naître en ce moment, qui est celui de l'adoption par le grand public de tous ces enjeux. L'essor des NFT, des tokens a permis notamment la tokenisation un peu des crédits carbone et son accès par le grand public. Par exemple, il y a des projets tels que Carbonable ou Plastic Bank qui vraiment s'axent autour des crédits biodiversité, crédits carbone. Et aux yeux du grand public, on commence à vraiment voir un peu l'intérêt de tout ça. Il y a une adoption qui est assez forte. Et puis, je pense que le dernier élément, c'est les initiatives qui sont prises, les initiatives de réglementation à grande échelle. Aujourd'hui, on voit qu'on a plein d'acteurs qui sont en train de se réunir autour de la table. Par exemple, on a le Crypto Climate Initiative qui vise en fait d'ici 2030 à atteindre pour toutes les blockchains un impact zéro carbone. Alors, c'est une très belle initiative. Il faut toujours faire attention, bien sûr, aux freins environnementaux qui vont en découler. Au niveau des réglementations, on voit aussi les projets de loi qui sont en train de naître. On pense forcément à la loi MiCA. Et en fait, ça va être au législateur vraiment de se saisir de ce sujet. Ça prend du temps, forcément, parce qu'on a plein d'acteurs avec des intérêts divergents qui sont sur la table, mais au moins ça va faire avancer. Et on pense que cette idée de vraiment de réglementation, d'homogénéisation va permettre peut-être une normalisation de ces technologies. Donc, on pourra peut-être un jour savoir vraiment quantifier le contenu carbone d'une transaction ou l'impact énergétique d'une blockchain. Et donc D'accord. tout ça, tout ce qu'on vient de dire vraiment, ces différents aspects de consensus, de technologie, de régulation, de sobriété digitale, tout ça en fait va permettre une augmentation de la confiance à différents niveaux pour les acteurs et donc forcément une plus grande adoption de la blockchain sur tous ces niveaux. Donc dans ce que tu dis, en fait, il y a deux aspects, si j'ai bien compris. L'aspect où on a une technologie qu'on essaye de rendre, entre guillemets, moins consommatrice, en passant du proof of work au proof of stake ou autre consensus moins énergivore, mais aussi l'aspect des projets. Donc tu parlais des marchés carbone, comment créer des projets sur blockchain grâce à la tokenisation des stocks carbone par exemple. Est-ce que tu penses que l'aspect technologie réduire la consommation de l'énergie et créer des projets, est-ce que tu penses que la création de projets a plus d'impact, par exemple, au niveau de la transition écologique, ou au contraire, pour toi, il faudrait vraiment se concentrer d'abord sur créer une technologie faiblement consommatrice? Alors moi, du coup, en tant que point de vue personnel, je pense que les deux doivent aller de pair. C'est grâce à la technologie qu'on crée des projets de cette envergure. Par exemple, l'adoption, ça, je trouve ça magnifique, pour que le grand public s'intéresse à la transition écologique et puisse appliquer en fait cette technologie. Les NFT, on a vu comment ça fonctionnait au début. C'était vraiment assez spéculatif. C'était une bulle un peu spéciale avec de l'art principalement tourné autour de l'art génératif. Aujourd'hui, tu parlais au début du domaine du vin. Ça commence à devenir assez utilitaire. On a plein de projets vraiment très axés sur la transition écologique qui sont en train de naître. Je pense notamment à Carbonable, qui est un projet français. Et forcément, c'est la technologie d'abord. Mais il faut toujours se poser la question de quelle technologie et pourquoi est-ce qu'on va utiliser cette technologie. Donc, pour moi, les deux vont de pair, forcément. Oui, puis ça c'est quoi? C'est vrai que tant qu'à faire, pour faire un projet, si le projet qu'on utilise est très consommateur, c'est pas très logique quoi, en énergie. Absolument. Ok, bah, su super intéressant pour cette présentation. On va commencer à arriver vers la fin du podcast. Donc je ne sais pas si vous avez des petites conclusions à apporter sur ce qu'on vient de dire. Peut-être on reviendrait rapidement sur l'économie circulaire et sur ce qu'on a dit précédemment. Oui, bah du coup, ouais, pour conclure, ce qu'on peut se dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, on fait un gros travail de sensibilisation et de gestion de l'adoption de la blockchain dans l'économie circulaire, parce qu'on croit vraiment que ça peut être un des leviers qui vont booster l'économie circulaire. Et donc, bah, comme dans toute nouveauté, comme dans toute innovation, on rencontre un peu des freins.
dont on peut discuter, hein. Il y a des freins liés notamment au changement, tout simplement. Aujourd'hui, c'est une nouvelle techno, il faut qu'elle soit, que chacun se l'approprie et que chacun comprenne ce qu'il y a derrière. Donc, on est là pour accompagner la filière, pour s'y adapter, pour l'adopter. Il peut y avoir des freins aussi liés à la digitalisation du métier, malgré tout, hein, ça peut paraître étrange, je pense notamment aux auditeurs qui vont écouter ce podcast, ça leur paraîtra étrange, mais dans certains domaines, les gens sont encore assez peu digitaux, donc là aussi on les accompagne. Et puis, il y a des questions qui reviennent de manière assez récurrente sur la fiabilité des sources de données. Effectivement, hein, si c'est un humain qui rentre une donnée, même si elle est notarisée dans la blockchain, bien sûr, l'humain a pu faire une erreur. Donc, de plus en plus, on essaye d'aller vers de l'IoT pour récupérer la donnée au plus près de la source de données. On a plein d'exemples dans nos métiers. Par exemple, quand on a des équipements de pesée qui sont capables de communiquer et qu'on veut récupérer la donnée, donc le poids, eh bien, on va récupérer la donnée directement sur l'équipement de pesée plutôt que d'avoir un opérateur qui va la ressaisir à la main, etc. Donc, la question de la fiabilité des sources de données est vraiment importante et on y travaille. Et puis, on a aussi une question un peu plus légale qui va progressivement apparaître sur la reconnaissance par le législateur des preuves qui sont issues de la blockchain. Donc ça, c'est une question qui est encore ouverte aujourd'hui, hein, mais je pense que dans notre pays, ce n'est pas bien tranché. Est-ce que ce qui est enregistré dans une blockchain fait office de preuve au sens légal du terme ou pas? Je ne sais pas si on est très au clair en France là-dessus. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est aussi à lever. Et puis, pour conclure, je voulais aussi vous informer qu'on va publier avec la Fédération française des professionnels de la blockchain dans le cadre du comité stratégique économie circulaire que Suez préside, un livre blanc sur l'apport de la blockchain dans l'économie circulaire. Donc bien sûr, on en tiendra informé à Cryptosphère. Je pense que ça sera publié quelque part cet été ou début septembre, on verra. Et puis, si vous êtes intéressé, on a aussi créé un groupe LinkedIn qui s'appelle « How can blockchain help shape a sustainable environment ?» que vous pouvez rejoindre avec grand plaisir et sur lequel on essaye d'amener des sujets et de faire monter en compétence toute la communauté. Donc, on vous invite à venir et puis à participer activement sur ce groupe LinkedIn. Voilà. Ok, super. On attendra avec impatience ce livre blanc alors. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup pour être venu et avoir accepté l'invitation. Et je vous dis une bonne journée à vous. Au revoir. Merci, Alex. Merci, bonne journée.